Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message de ce mardi 8 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On continue avec l'oracle de l'énergie et avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. On terminera, n'est-ce pas, cette capsule avec le message de ton âme. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé possibilités adjacentes à l'envers. Je répète, dans cet oracle, il y a la signification à l'endroit et à l'envers des cartes qu'on pige. Donc, possibilités adjacentes, nombreuses options non envisagées. Alors, à l'envers, eh bien, la carte des possibilités adjacentes vous avertit de prendre garde, vraiment. Sinon, vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Elle vous demande aussi de plonger en vous, au plus profond de vous, avec la volonté de vous débarrasser, eh bien, de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures. C'est indispensable. Il faut vous débarrasser de tous ces schémas qui sont malsains, qui vous font stagner, qui ne vous font pas avancer, vous faites du surplace. Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans vos habitudes profondes, n'est-ce pas, et projette votre énergie dans l'univers pour, eh bien, rappeler les résultats qui étaient prévus. Et c'est ainsi que vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement et un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. Eh bien, c'est le moment de décider. Voilà. Aujourd'hui, présentement, c'est le moment de décider. Allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux laisser l'inquiétude et le doute me définir? Ou bien vous allez vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi. Peu importe, n'est-ce pas, à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. Vous seul est maître. Et lorsque on est dans une situation difficile, dites-vous qu'il y a toujours des solutions. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, c'est une situation qu'on invente dans notre tête. À chaque épreuve, à chaque problème, il y a une solution, et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien, le problème est juste dans notre tête. C'est nous qui formons ce problème. Donc, aujourd'hui, allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme? Mais oui, faites-le. Soyez optimiste. Vraiment. Vous attirerez alors des ondes positives.
L'affirmation pour aujourd'hui, je suis ouvert et prêt à donner de nouvelles directions à ma vie. Vous en avez la possibilité, ne l'oubliez jamais. Je prends de plus en plus conscience des nombreuses options qui me sont offertes pour rendre mes pensées et mes choix quotidiens harmonieux et optimistes. Quelle belle affirmation, n'est-ce pas? Allez, on termine avec le message de ton âme. Et aujourd'hui, eh bien, je le pige maintenant. S'écouter. Ah ben voilà encore une belle synchronicité, n'est-ce pas? Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Eh bien, t'as un beau message de ton âme, n'est-ce pas? Vraiment. Je vous souhaite une toute belle journée. On se retrouve demain et d'ici là, eh bien, je vous embrasse. Portez-vous bien. Cliquez, appuyez sur le petit pouce pour faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. À demain. Thank you.